Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bubois. Cette semaine, je me fabrique un meuble pour ma station d'affûtage et tous mes outils coupants. Bien, pour la fabrication de ce meuble, ça sera quelque chose de tout simple, hein. Ça sera un cube, hein, avec différents tiroirs à l'intérieur. Vous verrez les plans juste après. Ça va accueillir ma station Tormek juste au-dessus, ses accessoires, les ciseaux à bois. Et moi surtout, rappelez-vous, je mets ça sur roulette, comme ça pour déplacer dans l'atelier, c'est plutôt pas mal. Petite contrainte, c'est que la hauteur. Alors souvent, on a du mal sur les hauteurs de travail. On se dit, ouais, 900, 800, on ne sait jamais, on est toujours un peu perdu. Là, moi, j'ai regardé, c'est simple, ce qu'il nous conseille pour l'affûtage, pour que vous ayez une bonne position, c'est entre 750 et 830 mm de hauteur finie. De la table, hein, je parle. Et là, on va faire un meuble de hauteur 800. Allez, on y va.
Ben, bon, comme vous pouvez le voir, on va s'arrêter là pour le moment parce que la vidéo elle va être quand même un peu longue. Donc vous avez vu, ça y est, j'ai fabriqué ce bâti qui est très costaud avec les tiroirs pour l'aménagement du matériel pour mon tourmec. J'ai pas trop expliqué sur la fabrication de ces tiroirs, mais vous retrouverez toutes les vidéos explicatives du calcul, de la forme, etc. dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!